Jacques André Michel dans micro Regina Rémy. Le combat est éminemment politique, et quand nous disons que le combat est éminemment politique, cela veut dire que c'est un combat motivé par les intérêts collectifs. Et bon problème, mon gars, aussi. Parce que monsieur là, il a continué le projet d'exclusion sociale, le projet d'exclusion économique, il a continué à vivre le pays, il n'a pas capable de défendre le pays. Ils après nous dit, n'a pas renversé monsieur. N'a pas renversé monsieur, on dit, là nous finissons renverser, n'a pas choisi un président qui sortit dans le cours de cassation. On juge interne, on juge qui n'est pas intéressé politiquement, on juge qui n'est pas fait en campagne. On juge ou pas qu'à un juge de cassation et pour marcher faire campagne pour venir président. De pour comme ça, pour nous-mêmes qui sommes alternatifs là, vous êtes disqualifiés pour devenir chef d'État. Parce que le juge doit être désintéressé. Rappelez-nous, on juge politiquement désintéressé. On juge qui est bien nommé, on juge qui est interne, on juge qui est honnête. Surtout intéressé au fait de l'emploi. Maintenant, pour qui ça, c'est la cassation à aller? Il faut comprendre tout, parce que tout ça a été fait dans le débat. Nous dit clairement, c'est très difficile. Mais tant pis, bon, oui. Si nous sommes capables de choisir un nano là pour nous mettre président, c'est capable, bon, mais c'est difficile. Comment nous allons choisir? Sur quelle base? Nous dit, allons à la Cour de cassation, puisque la Cour de cassation est une histoire. Mais nous dit, là, nous finalement la Cour de cassation, et là, il y a un premier ministre là, au niveau politique. Nous avons choisi un premier ministre parmi tout le monde qui est engagé dans la bataille pour renverser Jovenel Moïse là, parmi tout le monde qui est dans la bataille pour procès pétrocalité de fait, mon gars bataille dans la mobilisation. Et mon ça n'a pas le premier ministre fort qui a le pouvoir. Et c'est ça qui fait, c'est le premier ministre ça, nous allons prendre le pouvoir. C'est lui-même nous dit qu'il pourra former, qu'il pourra constituer cabinet ministériel là, qu'il y a 14 ministres, parce que pas bien Gabon, et un cabinet ministériel représentatif. Côté tout le monde capable de sentir à l'aise. Pas parler de tout le monde, le ministre c'est 14 Gabriel, nous sommes 13 ministres. Soit on sait, ou est-il le professeur Manika. Maintenant, et nous dit c'est le premier ministre à tout, qui pourrait conduire négociation pour y mettre campé, comité qui pourrait faire conférence nationale là. Parce que le premier ministre, c'est nous qui avons choisi. Entre nous, il faut le pouvoir, il faut le coup de franche pour être capable d'agir. Parce que le président, nous pourrions prendre la cassation. Parce que plus on a le prendre là, etc., le plus facile. Mais nous ne pouvons pas prendre monsieur pour les cassations ou bien femme, on va la bière. Et puis, nous ne pouvons pas le pouvoir. Si nous faisons ça, nous ne pouvons pas gagner aucun contrôle sur les mécanismes institutionnels de cette transition. Et le ça, la population nous mobilise pendant tout le temps ça, dans la manifestation, qui prend balle qui victime, nous pourrons pas nous passer.